CIST le grand jour. Ce samedi 6 mai 2023 sera à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du Royaume-Uni. À l'âge de 74 ans, Charles III va être couronné roi d'Angleterre lors d'une cérémonie officielle organisée, comme le veut la tradition, à l'abbaye de Westminster. Un événement régi par une étiquette stricte, notamment pour éviter les coups d'éclat. Du côté de Buckingham, on redoute ainsi les prises de bec entre le prince Harry et son frère William. Samedi dernier, le palais confirmait que le fils cadet de Charles III, bête noire de la famille royale depuis la parution de ses sulfureuses mémoires en janvier dernier, n'aura aucun rôle officiel pendant la cérémonie du couronnement, au même titre que son oncle, Andrew, tombé en disgrâce. Harry, relégué au troisième rang à Westminster, l'information relayée par nos confrères britanniques du Mirror ne risque pas de faire plaisir au mari de Meghan Markle, ainsi placé entre Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie, et la princesse Alexandra, cousine de la défunte reine Elisabeth II. Il y a eu des discussions sur le fait que les sièges pourraient être disposés en fonction de l'ordre de succession, explique une source anonyme en interview avec le Sun. Mais ça aurait placé Harry, cinquième dans l'ordre de succession, au premier plan et au centre, avec William et Kate. Des négociations qui font écho aux échanges entre les Sussex et la firme au sujet d'une éventuelle apparition lors du couronnement de Charles III. Harry apparaîtra-t-il au balcon avec Charles III? Les festivités du jour devraient commencer aux alentours de 10h20, lorsque la procession du roi et de la reine consort quittera Buckingham. Si les membres de la famille royale arriveront à Westminster quelques minutes plus tard, le prince et la princesse de Galles rejoindront l'abbaye en dernière minute avec leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Au terme d'une cérémonie longue de 2 heures, Charles III et Camilla entameront la procession de retour vers Buckingham Palace, un défilé dont Harry et Andrew ont été exclus. Le duc de Sussex ne devrait pas plus être invité à saluer la foule aux côtés de sa famille depuis le balcon de la résidence officielle des Windsor. Harry rejoindra ses pénates au plus vite pour célébrer l'anniversaire de son fils Archie, né un 6 mois. Un anniversaire royal. Point à propos de l'auteur Arvandel est passionné d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes. Prince Harry assigné à résidence à son retour au Royaume-Uni? Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brillante. Time's up.